Et voilà qui s'élance donc pour cette première épreuve avec le numéro 17, Paul Kiel et que Thibaut Delaunay qui a fait un excellent départ, qui compte d'ailleurs d'entrée de jeu une très confortable avance, avec en deuxième position Aljan Ellis avec Manon Fossier qui tente de ramener le reste du peloton, avec également Justin Lécunel et Noah Poteau qui galope pour l'instant au troisième rang, avec en léger retrait également la Kazakh Blanche Candor avec Célina Roger. Un peloton qui est très étiré, avec toujours Pocky qui a seul le meilleur, qui galope maintenant avec 6-7 longueurs d'avance sur le numéro 1, Aljan Ellis avec Manon Fossier, qui essaie de se rapprocher, qui est toujours à la hauteur de Noah Poteau avec Justin Lécunel, qui se retrouve le long de la corde. Les autres sont beaucoup plus loin, à l'image de Candor avec Célénia Roger. Ils abordent maintenant la dernière ligne droite avec toujours Pocky qui est en tête depuis le départ, environ 200 mètres de l'arrivée, qui se relance maintenant. Pocky qui a toujours nettement l'avantage avec le numéro 11, Aljan Ellis, qui est en deuxième position, beaucoup plus en retrait, galope juste à des tunnels avec Noah Poteau. Aux abords du poteau, la victoire peut être obtenue sans aucun problème par Pocky avec Thibaut Delaunay qui remporte cette épreuve de l'aujourd'hui. Le numéro 11 avec Manon Fossier qui termine deuxième. Belle fin de course sur le dos pour le numéro 12 au bord de la forêt avec Bertone Guignot qui termine troisième. La quatrième place pour le numéro 13, Justin Lécunel avec Noah Poteau. Et puis beaucoup plus loin, on retrouve le numéro 18, Lydia, avec Élise Brunard qui termine cinquième. Une petite explication pour la sixième place avec le numéro 16, Iris Junior, qui se le croit au dépens du numéro 15, Candor, et du numéro 14.